Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, à quelques jours de l'ouverture des négociations politiques, c'est un signal fort qui est envoyé à la société civile guinéenne. La justice a inculpé un militaire dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. 157 personnes étaient mortes lors d'un meeting de l'opposition à Conakry, la capitale. Un militaire ne pourra plus s'engager en politique au Burkina Faso. Il devra d'abord démissionner et quitter l'état-major. Les parlementaires ont voté une loi en ce sens vendredi. C'est un véritable tournant pour la société burkinabé qui n'a connu que deux régimes civils. Le 8e art au service des plus démunis au Rwanda. Un photographe rwandais portraitise ses contemporains les plus modestes dans l'espoir de susciter la générosité des organismes concernés. Mais d'abord, depuis ce vendredi, 10 Tunisiens ont été enlevés au consulat de la Tunisie à Tripoli, la capitale libyenne. Les autorités tunisiennes et libyennes travaillent ensemble et dénoncent des violations de normes diplomatiques. Ce genre de rapte est malheureusement devenu fréquent en Libye. Déjà au mois de mai, 254 Tunisiens avaient été détenus pendant une dizaine de jours par la coalition milice Fajar Libya. Elle exerce son contrôle sur la capitale et c'est cette coalition qui est soupçonnée d'être à l'origine de ce nouvel enlèvement. En Guinée, la justice a inculpé un militaire dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Le stade Conakry avait été pris d'un meeting et 157 personnes étaient décédées. Une nouvelle saluée par les familles des victimes qui espèrent l'ouverture d'un procès. Ibra Radinjaï. Du nouveau dans la procédure judiciaire sur l'enquête sur le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry en Guinée. Si l'enquête est longtemps restée au point mort, un militaire vient toutefois d'être inculpé par la justice guinéenne. Les parents des victimes dénoncent la lenteur des procédures tout en saluant aujourd'hui ce pas important vers la lumière des faits. Je ne peux pas tellement expliquer parce que nous sommes en tout cas en train de travailler avec les partenaires qui nous accompagnent sérieusement par rapport à l'avancement du dossier. Donc, on peut dire qu'il y a une avancée parce qu'il y a eu des inculpations. Actuellement, on a des inculpations qui sont vraiment reconnues. Donc, pour cela, nous disons qu'il y a une avancée et nous voulons que ça aille vers maintenant le procès parce que 6 ans, c'est trop. Donc, on espère qu'avec l'appui de la CPI, de tous nos partenaires, je suis sûr que ça pourra aller. Et d'ici 2016, nous espérons en tout cas aller au procès. Le général Moussa Dadi Camara, qui vit actuellement au Burkina Faso, a été entendu sur commission rogatoire guinéenne en tant que témoin. Mais pour Maître Amuluy Reti, ancien avocat auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, une procédure judiciaire de cette ampleur peut parfois prendre du temps. Le délai, pour moi, n'est pas raisonnable pour des affaires qui auraient dû normalement être traitées en flagrance. Et là, je comprends effectivement le souci des victimes, d'autant plus que l'affaire renaît à l'aune des échéances politiques. Mais je dois aussi préciser aux victimes que comparé à d'autres affaires de même niveau, l'on peut considérer effectivement que ce délai est raisonnable selon ce que la loi prévoit comme étant éventuellement le délai de prescription de l'action publique. Donc l'action publique ne peut pas s'éteindre avant 20 ans, 25 ans ou 30 ans selon les législations. Donc comparé à 7 ans, nous sommes en plein dans ce que la Constitution, ou du moins les lois pénales, considèrent effectivement comme étant un délai raisonnable. 3 nouvelles personnes ont été inculpées, dont le numéro 2 de la junte en 2009, Mamadou Ba, Toto Camara, et 4 autres personnes ont été entendues comme témoins ces derniers mois. Rappelons que 157 personnes ont été tuées ce 28 septembre 2009 au stade de Conakry lors d'une réunion de l'opposition. Les députés burkinabés viennent de voter une nouvelle loi majeure dans le statut de l'armée. Elle trace une nette séparation entre les forces armées et le pouvoir politique. Toute personne souhaitant se présenter en politique devra désormais démissionner de son poste de militaire. Reportage de notre correspondant Wendjam Valentin Compaoré. Les militaires burkinabés doivent démissionner s'ils veulent entrer en politique. Si par le passé, ceux-ci pouvaient prendre une disponibilité ou suspendre leur contrat, dorénavant ils doivent quitter l'armée. Ainsi en a décidé le Conseil national de la transition le vendredi 5 juin 2015. Un projet de loi défendu par le gouvernement. Une loi qui s'explique selon ses parlementaires. Imaginez-vous un militaire qui prend sa disponibilité de 1 an, 2 ans et qui compétit sur le plan politique
et qui, à la fin, doit revenir sous la coupe d'une autorité qu'il aurait combattue pendant la campagne. Est-ce que ce dernier-là pourra vraiment mettre en application ou respecter les instructions que cette nouvelle autorité civile-là lui donnera? Donc ce sont ces genres de questions que nous nous sommes posées et aujourd'hui, nous avons fait un choix. Le choix, il est très clair. Un militaire, pour faire de la politique, il faut simplement démissionner. Depuis l'indépendance du Burkina Faso en 1960, le pays n'a connu que deux présidents civils. Aussi, plusieurs organisations de la société civile exigent-elles leur retrait définitif de la scène politique. Sur 12 régimes politiques, 8 ont été des régimes militaires. Cela veut dire que Burkina et ses populations ont été échaudées. Et ce n'est pas des exemples à suivre. Le problème chez eux, quand ils discutent avec eux, ils posent leur revolver sur la table. Toi, tu es assis en face, les mains nues. Donc c'est les conséquences de tels comportements qui ont poussé à la prise de cette loi. À 4 mois de l'élection présidentielle, 3 officiers de l'armée burkinabé ont déjà annoncé leur candidature à la présidentielle du 11 octobre prochain sur un total de 7 candidats investis par leur formation politique. L'actualité économique est à peine l'accord tripartite signé que déjà certains experts émettent des doutes sur son efficacité. 3 blocs économiques sont désormais unis par un marché commun, mais des obstacles comme le manque de voies de communication pourraient freiner les ambitions de cet accord historique. On fait le point avec Ibrahim Radinjai. Un grand pas vers le libre-échange a été franchi en Afrique. Des représentants de 25 pays africains ont signé ce mercredi 10 juin un premier accord de création d'une zone tripartite de libre-échange. Elle devrait relier 3 blocs économiques, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA, la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, et la communauté d'Afrique de l'Est, soit 57% de la population africaine. Nous essayons d'établir un calendrier pour exécuter tous les points de l'accord. Ce que nous avons accompli aujourd'hui restera dans nos esprits comme un jour historique et un point décisif pour atteindre notre ambition de fusionner la région. Il reste toutefois de nombreux obstacles à la libre circulation des marchandises et des biens sur le continent africain. Les défis sont liés à l'aspect purement bureaucratique. Dans ces pays, dont certains sont arabophones, anglophones et francophones, l'infrastructure n'est pas adaptée parce que vous ne pouvez pas conduire une voiture ou prendre un train du Caire à Cape Town. Donc c'est un concept très élégant, mais cela prendra un certain temps pour le réaliser et ne pas parler des avantages qui prendront beaucoup plus de temps à se manifester pour les pays participants. Certains analystes suggèrent de renforcer les organes régionaux déjà existants, tels que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avant de créer de nouveaux organes. Avant de combiner ces 3 groupes, il serait d'abord intéressant de faire travailler ces pays individuellement afin qu'ils perçoivent les avantages de l'alliance plutôt que d'essayer de combiner 54 pays africains. Par conséquent, si la CEDEAO en tant que groupe peut travailler à améliorer les conditions économiques de l'Afrique de l'Ouest, si l'EAC, East African Community, qui fonctionne très bien, peut faire cela et améliorer la qualité de vie et la production économique en Afrique de l'Est, si la SADC, la zone de développement sud-africaine, peut faire cela, vous avez vu ce qui se passe en Afrique du Sud. Ils chassent déjà les étrangers. Donc d'une part, vous chassez les étrangers. D'autre part, vous dites que vous souhaitez une intégration, il y a là une certaine incohérence. La nouvelle alliance, si elle devient effective, constituera 60% du produit intérieur brut du continent, soit 1,2 milliard de dollars, et devra contribuer à la croissance de 30% du commerce en Afrique. L'accord devrait être mis en œuvre si toutes les conditions sont réunies d'ici 2017. Zoom sur un photographe engagé au Rwanda. Samuel Gendaimana utilise ses clichés pour dénoncer les conditions de vie des plus démunis. Avec ses photographies, il espère faire réagir les organismes concernés. Son portrait avec notre correspondant au Rwanda, Olivier Jacotan. La photographie comme moyen pour rehausser les conditions de vie des pauvres au Rwanda, c'est le vœu de Samuel Gendaimana. Ce trentenaire a une passion pour ce métier depuis l'adolescence. Cette passion prendra une nouvelle tournure en 2009. Il parcourt désormais de plus en plus les contrées du Rwanda à la recherche d'images expressives. C'est la femme qui est sur la photo, derrière moi. Elle avait 3 enfants. Elle était abandonnée par, son mari. Elle louait une maison de moins d'un dollar par mois. J'ai dit...
pourquoi pas s'engager dans cette situation ou bien dans cette photographie, de prendre des photos des gens qui vivent qui sont dans la misère, pour montrer les institutions gouvernementales, les organisations privées qui peuvent sauver ou bien aider les pauvres. De nombreux jeunes s'adonnent davantage à la photographie au Rwanda. Très peu sont des professionnels. Après avoir évolué quelques années comme amateur, Samuel a pu se faire former en Afrique du Sud en 2012. Mais il reste confronté à un réel défi. Juste quand tu travailles sans toutefois avoir beaucoup d'argent ou bien des matériaux qui sont très professionnels, ça te dérange. Samuel Ngendahimana a été élu en 2013 meilleur photographe du Rwanda. Il a même créé un site internet pour donner plus de visibilité à son travail. Le Rwanda ne dispose pas pour le moment d'écoles spécialisées dans la formation des photographes. Du sport pour terminer ce journal, et la première journée éliminatoire de la CAN 2017 a commencé vendredi. Et déjà, première surprise, la Guinée s'est fait battre d'entrée par le Swaziland. 2-1. Pas de souci en revanche pour la Tunisie qui triomphe face à Djibouti, 8-1. Et le Maroc qui s'impose 1-0 à domicile contre la Libye. Ce samedi, entrée en lice de l'Afrique du Sud face à la Gambie, des Super Eagles du Nigeria qui rencontreront les Sao du Tchad. Et l'Algérie recevra les Seychelles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.